Salut à tous, c'est la salle, bienvenue dans un top véhicule Unwin. What the fuck is wrong with that véhicule? Alors on commence tout de suite avec un mini BMX. Qu'est-ce que t'en penses du mini BMX? Alors moi je kiffe plus le petit là que le BMX. Alors en fait j'ai mis un petit pourquoi, parce que tout simplement sur le BMX, si je mets quelqu'un qui est adulte, eh ben tu sais, il est trop baissé en avant. Alors qu'avec quelqu'un de la bonne taille, un ado, bah ça marche parfaitement bien. Ah ouais, le gars il fait des petites techniques et tout, tranquille. Ouais, bah tu peux tout faire en fait, hein. C'est vraiment stylé, regarde comment il saute haut. Tu vois, c'est stylé, donc il peut tout faire. On passe au véhicule suivant. La banane. Mais attends, mais c'est la banane dans... Alors c'est une banane. Alors oui, on va voir si tu reconnais certains véhicules. Donc c'est une banane. Qui se comporte bien, aussi bien sur l'eau que sur le sable, hein. Tu peux aussi rouler sur le sable, regarde. Ah ouais, tranquille quoi, le gars il était dans... Ah ouais, c'est toi, t'as pas spawn un million de bananes toi. Non, elles étaient déjà là. C'est... Au contraire, je l'ai récupéré sur la plage, donc... Wow, ouais... Quel est ce véhicule? What is this shit? C'est une Lamborghini concept, c'est-à-dire qu'en gros c'est une Lamborghini dessin animé. Ça se voit. Elle est incroyablement magnifique. Mais tu sais qu'elle est pas réelle, enfin, je veux dire... c'est oui, pas elle n'existe une... pas, quoi. Ouais, voilà, c'est un truc vraiment genre dessin animé. Alors que, moi, je trouve que ça fait réel, non? Ah, c'est bizarre, quoi. Non, mais à peu de choses près. Bon, à part, par exemple, la vitre à l'arrière, où effectivement, voilà, c'est un peu bizarre, mais par sinon... Contre, elle est magnifique, mais tu vois, le truc design, là, je sais pas trop... Mais derrière, on dirait Iron Man, derrière. Ouais, elle est stylée, hein. En fait, tout est un peu carré comme ça, c'est stylé. Bah, par contre, l'intérieur... Ouais, par contre, l'intérieur, je sais, complètement dégueulasse. On dirait du carton collé. Ah, hein. C'est l'intérieur de la Lambo. Ouais, c'est dégueulasse. Ah, d'accord, ouais, c'est vrai que c'est catastrophique. Allez, on passe au véhicule suivant. Tu le connais, celui-là? Ouais, celui-là, je le connais, ouais. Alors, celui-là, c'est le Monowheel. Et donc, en fait, sa particularité, c'est quoi? Je pense que tu l'as deviné. C'est qu'il fait des Weekend Burns in the West, comme un hamster. Eh ben ouais, c'est qu'en fait tu peux tout aussi bien rouler comme ça que te mettre à l'envers et bah le véhicule il tient quoi, tu vois. Puisqu'il a ce qu'il faut. C'est stylé. Bah ouais, il a ce qu'il faut, donc du coup tu peux te mettre... Tu peux même descendre le mont Chiliad comme ça, à l'envers, hein, genre c'est normal quoi. Hein. C'est quoi, faudrait que ça, c'est un petit défi comme ça à la salle. Waouh, c'est quoi ça? C'est une bâtie. Eh non, je rigole. Oh les bâtes. Me dis pas que t'as osé. C'était une bâtiment, en fait, non, c'est un train. Ouais, il y a le train. Tu le connais, lui, alors, parce que c'est... C'est dans... Comment ça s'appelle? Le train, là, je t'ai envoyé, en plus, il n'y a pas longtemps. Allez, c'est pas grave, on passe au véhicule suivant. Alors, celui-là, tu vas le trouver stylé, je pense. Déjà, tu vois, il est où? Ah! Alors, tu le trouves comment? Franchement. Magnifique. C'est un véhicule Attends, qui est magnifique. C'est un overboard, ou quoi? Alors, tu sais c'est qui, le gars, dessus? Par contre, non, je connais pas. Bah, c'est le bouffon vert. Si, tu connais le bouffon vert? Non. Dans Spider-Man. Ah, ouais. Sauf que là, il a, je sais pas, une forme différente de celle que nous, on connaît, mais c'est lui. Ah ouais, tu vas carrément dégommer le... Donc tu... Ouais, franchement, il est pas magnifique, le véhicule. Incroyable. En plus, il tire... Ah, des missiles en plus. Ouais, la totale, hein, c'est vraiment un véhicule magnifique. D'ailleurs... Pour faire une transition avec le prochain véhicule, regarde ce qu'on va faire. On va se mettre sur la Maze Bank. T'as vu que c'est stylé comment il saute dessus, hein? Oh la vache, qu'est-ce que t'as fait encore? Et on fait une transition avec le véhicule là, alors c'est quoi à ton avis? C'est un dirigeable, un bateau pirate. C'est un dirigeable version manga. Tu vois? C'est magnifique. Alors ça, je sais pas c'est dans quel truc. Aucune idée. Alors ça, c'est quoi? Me dis pas que c'est les trucs dans les avions. C'est les trucs de sauvetage, sauf que regarde. What? Ouais, en fait, je comprends pas, mais le truc rebondit. Et en fait, il rebondit comme ça plein de fois. Regarde, ah, on peut être 10 dedans, apparemment, c'est écrit. Ouais, regarde, il rebondit plein de fois. Donc, du coup, je vais passer, hein, parce que c'est long, en fait. Donc là, voilà, on atterrit. Et tu peux rouler, genre? Bah, soi-disant, il y a un moteur dedans, mais non, il roule pas. J'ai accéléré pendant longtemps, il a pas bougé. En fait, c'est juste une bouée de sauvetage, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Oh. Ah, est-ce que ça te dit quelque chose, ça? Bah, ça, c'est les taxis en Thaïlande, notamment. C'est un tuk-tuk. Ouais, en Thaïlande, il y a des trucs comme ça en Thaïlande. Ça s'appelle un tuk-tuk.
Ah, c'est stylé ça. Et sa particularité, bah, c'est qu'il a trois roues. Donc quand tu tournes, c'est catastrophique. C'est catastrophique parce qu'il a envie de se retourner en fait, tu vois. Il veut se retourner. Ça, dans la vraie vie, faut pas me le donner. Hein. Je fais un accident direct. Hein. Ah bah oui, ouais. Alors ce véhicule, il paraît stylé là. Hein. Bah ça, c'est normal ça. C'est un véhicule de petite taille en fait. Ah, il est petit. Mon ouais, j'avais l'impression qu'il était tout. Voilà, on a l'impression qu'il fait la taille normale. En fait, non. Une fois que tu roules un peu avec, tu te rends compte, regarde, qu'il est minuscule. Ah ouais, c'est stylé. Il on dirait une voiture télécommandée, mais pas du. Wow. C'est quoi ça? Alors, imagine dans GTA, si on avait ça. Ce sont des tanks. C'est un tank. Putain, mais c'est trop cheaté ça, t'es invincible avec ça. Ah, mais franchement, ça aurait pas été mieux d'avoir ça plutôt que le tank qu'on a. Enfin, ça aurait été stylé quoi. Ouais, mais ça aurait été cheaté, t'es fou. Alors, il est beaucoup plus résistant qu'un tank normal. Voilà, et il fait beaucoup plus mal. C'est de l'abus. Wow, mais t'as vu la taille qu'il fait? Oh là, c'est quoi ça? Alors, ça, c'est un véhicule du futur. Que j'ai trouvé. Enfin, je me suis dit, waouh, véhicule du futur, c'est ça peut être que magnifique. Bah, tu vas voir. Donc là, je vais changer la première personne. On va se mettre en troisième personne. Ah ouais. Véhicule futuriste. Eh ben, regarde la surprise. Prêt? What? Eh ouais. véhicule du futur, mais véhicule dégueulasse, en fait. Donc, en fait, il crée de beaux... Ah, il tourne pas, quoi. Voilà, il crée de beaux véhicules, mais quand tu veux tourner, le truc se soulève et voilà. T'as essayé de régler la télé de route et tout, même pas? Ah ouais, ouais, non, non, c'est mort. Hein. Le véhicule se retourne pour rien. C'est une crêpe. Wow, alors, c'est quoi de ça encore? Dans le même style, tracteur. 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 Ouais, ouais, tracteur. Tracteur, ça. Si, si, tracteur, si, si. C'est un tracteur bizarre dans le même style hein, qui se retourne pour rien. À chaque fois qu'on tourne, tu vois. Voilà. Donc tracteur bizarre. Voilà, véhicule what the fuck hein, dans GTA V. Oh, pas mal ça. Oh, une voiture sur l'eau. Je sais que tu kiffes une voiture sur l'eau. Mais. Magnifique. Elle fait pas que ça. Ah. Ah oui, c'est une voiture sur l'eau, mais sur la terre aussi. Tu kifferais hein, qu'on ait des... Ça fait penser au véhicule dans San Andreas, la salle. Comment il s'appelait déjà? Le véhicule dans San Andreas, la salle qui allait dans l'eau et tout. Oula, oui, je sais, je vois c'est lequel, mais j'ai plus le nom, mais bon... Le tout petit, ouais, je sais plus, j'ai plus le nom aussi. Mais il était plus gros que ça. Celui-là, ouais, il est... C'est stylé, hein, mini voiture, on sort par le toit ça, ouvrant. Ça, c'est stylé, par contre. Wow, c'est est-ce quoi, que tu ça. Reconnais? Allez, vite, tu dois reconnaître tout Titanic. De suite. Bien joué! Et d'ailleurs, il est en train de... couler. Eh oui. Donc en fait, c'est le Titanic et dès qu'on avance, il coule. Pourquoi? Parce que ça reproduit exactement la même scène. Donc là, tu vois, il est en train de couler, couler, couler. Donc ce que je vais faire, en fait, c'est que je fais machine arrière. Voilà. Parce que si je continue à avancer, il coule, hein, complètement. Non, mais tu sais qu'ils mettent ça sur GTA 5, je pense que tous les serveurs crashent. Ah, sur PS4, ouais, il y a moyen. Et on se rend pas compte de la taille du véhicule. Ah oui, d'ailleurs, attends. Est-ce que tu reconnais ça dans le film? Je pense que oui. Ouah, c'est trop, trop bien fait. C'est là où il y a Jack et Rose, tu sais, quand ils dansent et tout. Bah voilà, c'est ici. Et regarde la taille, hein. Parce qu'on s'en ah ouais, rend par pas compte. Par rapport à un camion Ben, ouais, c'est voilà. Vrai que... Le camion Ben, il est énorme et regarde la taille, on s'en attends, rend pas compte. Ça... Si tu le mets en debout, c'est une Maze Bank, quoi. Oh non, il est beaucoup plus haut. Ah non, non, c'est... il est immense, gigantesque. What? Eh ouais. Ben voilà, avec ce qui se passe en ce moment, Unwin, le papier toilette, et ben il y a carrément un kart avec un caddie et du papier oh, toilette. Bah écoute, hein, fallait bien que quelqu'un le fasse, hein, donc. Il y a pas de balade avec ça. Donc il a été créé. Et c'est un caddie de caisse aussi, j'ai remarqué. Ouais, c'est un caddie avec le papier toilette, voilà. Pour bien résumer la situation, qu'est-ce que c'est comme véhicule? Un avion de chasse. Et non, Unwin. Alors attends. Tu vas voir, hein. Tu vas voir la surprise. Dans maintenant. Oh la vache. Il est pas stylé, franchement. Incroyable. Il devrait pas nous mettre des trucs comme ça, là, au lieu de nous mettre tout le temps avion laser, hydra. C'est magnifique. Bah, y'en a un qui ressemble comme ça un peu, tu vois, le plus gros là, tu étais à 5 la salle. Oui, ouais, mais bon. Regarde. Regarde. Tu peux même passer les trucs sous l'eau, regarde. Avec le bruit et tout, hein, donc ça passe vraiment, regarde, hop. Et tu repars normal. C'est trop bien fait. Il est stylé, et pour se poser, il fait quoi avec ses ailes? Tu vas kiffer ce qu'il fait avec ses ailes pour se poser. Waouh. Ouais.
Donc il est magnifique, quoi. Hein? Ah ouais. Alors ça, par contre, c'est un truc qu'il nous faudrait plutôt en activité, un véhicule éolienne. Ah ouais, mais ça, tu fais une... Putain, wow, tu fais une... magnifique, ça, avec ça. Activité et véhicule éolienne, avec ça, tu peux faire un truc de fou, mais vraiment de fou, fou, fou. Sauf... Ah, même derrière, il y en a. Ouais, ouais, devant et derrière. Et ça prend tout, hein. C'est-à-dire que bah, tu passes dedans, ciao bambino. Hein. Ah, il y a des véhicules qui résistent, hein, quand même. Il y a des véhicules qui résistent parce qu'en fait, je vais vite. Si je reste sur place, tu vois, et que je bouge pas, ils peuvent pas passer. C'est le truc que t'as utilisé pour machin, ça, non? Oui, oui, oui. T'as mis ouais. Où tu montais le bâtiment. Ouais, c'est ça. Ouais, le véhicule là monte les bâtiments. Mais avec l'éolienne, voilà, ça fait stylé. Et je trouve que bah, c'est un beau carnage, quoi. Wow. Est-ce que tu reconnais? C'est dans Star Wars, ça, non? Ouais, ouais, c'est ça. C'est un vaisseau dans Star Wars. Alors, attends, donc attends, tu vas voir. Follow-t. Bah ouais, mais c'est Star Wars, hein. Tu vois un peu le truc, quoi. Et t'as pas l'impression que c'est un bâtiment qui se déplace comme ça? C'est stylé. Ah, on dirait carrément. Il est bien fait. Ouais, il est bien fait. Ah bah oui, oui, c'est bon, je reconnais le devant. On dirait vraiment un bâtiment en train de se déplacer. Tu sais, c'est par contre, gros. Le jeu, il est stylé, hein. Le jeu. Le graphisme de ton jeu. Ah, mes graphismes, ouais, ouais, je sais, je sais. Ah bah écoute, j'ai bien travaillé pour les avoir, hein, tu sais, c'est magnifique. C'est millimétré, et j'ai réussi à obtenir les meilleurs graphismes possibles pour ma part, en tout cas. Et regarde, pareil, hein, qu'avec l'autre, tu peux vraiment faire vibrer l'eau, quoi. Hein. Ah ouais, tu sais, il y a une ligne qui suit et tout. Ouais, ouais, ouais. Magnifique véhicule. Alors... Bon, celui-là, ah, tu... Ah oui, voilà. Je le connais, celui-là. Celui-là, on connaît, mais justement, tu sais pourquoi je l'ai mis? Parce que il faudrait que Rockstar, quand ils nous mettent la neige, bah, qu'ils nous mettent des véhicules adaptés. Parce que... Effectivement. Ils nous mettent la neige à chaque fois, ouais, mais super, à part glisser... Ils nous sortent des clics dégueulasses avec un papier cadeau, on comprend pas. Ouais, voilà, alors que nous, on veut des véhicules adaptés à la neige, parce que la neige, juste pour nous faire glisser nos véhicules, bah, au bout d'un jour ou deux, bah, ça fait chier tout le monde, et tout le monde demande quand est-ce qu'elle part. Bah, ça changerait tout. Bah, je comprends pas pourquoi on a toujours pas eu de motoneige, tu vois. Exactement. C'est quoi, ça? Alors, ça, je sais pas du tout, mais elle est magnifique. Alors, bah, elle est magnifique, mais en même temps, c'est un dessin animé, hein, c'est pas... Bah, ça, j'ai remarqué, c'était... Ah, c'est Cars. Voilà, c'est un dessin animé, regarde les yeux devant. Tu vois, tu les as vus là. C'est un car, ça, ça y est. Mais par contre, c'est quoi comme véhicule? C'est une i8 ou c'est autre chose? Je sais pas, on dirait une. Ouais, on dirait une i8 un peu. Oh les bats, t'as pas osé. Ah, les. La dédicace aux Marseillais, ouais. Fais voir la musique. Oh les bats, t'as pas osé. Si, si, donc, bah, taxi. Les graphismes, je suis choqué. Voilà, donc taxi, le film Taxi. Alors, sauf que dans le film Taxi, le véhicule va plus vite, mais c'est normal parce que dans le film, on a remarqué qu'il faisait des avances rapides. Eh oui. Donc c'est pour ça qu'on a l'impression que le véhicule va vite dans le film. Et normalement, on est censé ramener des gens, puisque c'est un taxi. Et ouais. Là, on va ramener personne. Mais on et va on ramener. Va les soigner. Mais on va ramener le taxi. Voilà. Et ça, c'est le principal. Ouah, tiens. Dans l'eau. Tu kiffes? Eh, il y a un dauphin. Ouais, ouais, il y a un dauphin. Toi, j'ai remarqué que t'aimes bien mes graphismes. C'est vrai que c'est pas mal. Bah moi, j'ai pas encore testé mes nouveaux trucs, mais... Wouah, magnifique. Alors, dans un dessin animé aussi, ça. Le genre d'avion que tu veux pas. Hein. Regarde l'hélico. Je suis en train d'essayer de l'atomiser, regarde. Voilà. Donc ça, c'est le genre d'avion que tu veux pas, quoi. Ça, je crois connaître. C'est allez, c'est quoi? Ouais, mais un bus de... Je l'ai vu, c'est là. C'est un bus. Ouais, je l'ai vu, celui-là. Je l'ai vu. T'imagines, tu vas chercher les prisonniers dans le RP ou tu vas les déposer avec ça en. Oh les bah. En fédéral, c'est Disneyland. C'est plus. Mais bon. Ah ouais, carrément, il va en prison et tout. Il reste quand même bien fait et joli. Hein. Alors, deux véhicules. Voilà, là, transition, deux véhicules. Celui dans lequel je suis, il est stylé, hein, ouais. Il est magnifique, et l'autre derrière, j'ai pas compris. Ce serait cool, hein, d'avoir des customs comme ça. Et l'autre derrière, regarde, c'est un taxi. Alors, on peut se mettre assis, hein, voilà. Et donc, ah, quand... c'est un manège. Et quand, voilà, quand il roule, ça tourne. What the fuck?
Et quand il freine, ça s'arrête. Tu vois, dès qu'il freine, dès qu'il appuie sur le frein, hop, ça s'arrête. Et dès qu'il roule, ça tourne. C'est stylé. Oh, faut qu'ils nous mettent ça sur GTA, je te jure. Alors, je me suis pas mis en première personne volontairement parce que je peux t'assurer que c'est horrible. Ça, c'est horrible. Tu vois rien. Ça tourne tellement vite. Eh, mais la salle, un crazy taxi comme ça. Ouh, ce serait magnifique. Alors, Renin. Donc c'est le... Bah oui, tu connais ce véhicule, donc c'est lequel? C'est le véhicule biche. Voilà, mais pourquoi je l'ai mis? Parce que la biche, elle voulait retourner dans la forêt. Ouais, et toi tu l'as ramené. Et moi je l'ai re-ramené dans son habitat naturel. Écoute. T'entends? Elle est contente là de retourner dans la forêt. Elle est heureuse. Donc ah voilà, ouais. Hein, il fallait la ramener chez elle, elle était à la base militaire, elle se faisait tirer dessus, donc voilà, elle est chez elle maintenant et on peut la relâcher. Oh là là. Et enfin, une nuit, on termine avec... On a libéré les babouins aussi. Et voilà, on a libéré les babouins et c'est un tapis volant, tout simplement. Oh ouais, le dirigeable et tout, ça se voit, t'as retourné les jeux, toi. Ah bah, mon jeu, il est plus que retourné, là. Hein. On va dire que si j'avais pas le PC que j'ai... Le jeu, il se lancerait même pas. Donc voilà, tapis volant. Et du coup, Anuin, c'est fini pour la présentation des véhicules What the Fuck. C'est vrai qu'il y en a beaucoup et il fallait les présenter puisque forcément, il n'y a pas tout le monde qui connaît tous les véhicules bizarres qu'on peut trouver dans GTA V. Il y en a d'autres, mais là, j'ai quand même sélectionné les véhicules les plus What the Fuck. Après, forcément, on peut trouver... d'autres tanks, d'autres bateaux militaires, des bateaux de croisière, etc. Mais là, j'ai vraiment choisi les plus what the fuck nuit. On se laisse là-dessus. C'est tout pour cette vidéo et moi, je vous dis à tout à l'heure. Et bah magnifique, franchement, j'ai kiffé la vidéo. Ciao, ciao.